déplacements professionnels, c'est le train. Et pour mes déplacements privés, c'est la voiture. Alors, je ne suis évidemment pas du tout content. Je trouve que la circulation au centre-ville de Fribourg est catastrophique. On laisse trop de priorité, malheureusement, au bus, avec certaines places de bus qui nous empêchent de dépasser. On crée des zones à 20, on crée beaucoup d'encombrements pour le trafic automobile, on ferme la rue de la gare, c'est une aberration totale, pour bientôt fermer le pont de Seyngen, qui est une autre aberration, et on ne fait rien pour aider finalement les automobilistes à venir en ville. Ouais, on crée un concept qui tient aussi compte de l'aspect automobile, pas seulement de l'aspect environnemental, qualité de vie des résidents en ville. On pense aux places avant qu'ils quittent le centre-ville pour la banlieue. C'est moi qui ai un concept global où les automobilistes, où les voitures simplement sont aussi concernées. Si on garantissait que les voitures électriques refraient que Fribourg est une ville qui est circulable, ce serait effectivement quelque chose d'intéressant, mais je ne crois pas. Et je pense que toutes les mesures qui sont prises maintenant sont sans effet rétroactif, il n'y aura jamais de retour dans le bon sens, voiture électrique ou pas. Je crains vraiment que le centre de Fribourg devienne civilisé.